Bonjour et bienvenue à notre formation. Alors, dans cette formation, je vais vous expliquer comment l'on crée des objets graphiques dans la plateforme de trading NanoTrader. C'est une présentation qui devrait durer, allez, j'espère au maximum une heure. Et je vais tout de suite vous montrer le type de réalisation que vous saurez faire à l'issue de la formation. Alors, voilà. Je vais vous apprendre à fabriquer les quatre types d'objets que vous voyez sur l'écran. Alors, je commence en haut à gauche. Numéro 1, des courbes. Courbes simples, des bandes. Donc, colorer l'espace entre des courbes, etc. La deuxième chose, ça, il s'agira de marqueurs, c'est-à-dire, par exemple, la coloration d'un fond d'écran, comme dans le cas de cette bougie ici. L'application d'une ellipse, d'un triangle de couleurs différentes sur l'une ou plusieurs bougies pour marquer un événement particulier, un signal, un comportement de marché qui vous intéresse. Troisième type d'objet, il s'agit d'étiquettes. Ici, l'étiquette, elle utilise la fonction highlight. Et vous voyez, dans cet exemple, on voit l'instrument qui est repris, DAX, décembre, etc., l'ATR. Donc, on peut afficher en fait des valeurs qui bougent, qui sont dynamiques, comme dans le cas de cette mesure de volatilité qu'est l'ATR. Deuxième type d'étiquette, là, c'est un concept, c'est une fonction différente, show type. Il s'agit ici de déplacer en fait sa souris sur une bougie, et ça vous permet d'afficher une étiquette que vous avez paramétré dans le cas présent. Dans cet exemple, on voit des valeurs dynamiques puisque ce sont des valeurs de prix clôture, le plus bas, le plus haut, la valeur de la moyenne mobile de 50, de 200, etc. Donc, toutes ces techniques, on va dire, sont très utiles lorsqu'on est dédié à devenir un bon trader, et ce n'est pas très difficile à apprendre. Donc, j'espère que vous ne... N'arrêtez pas la vidéo à ce moment-là et que vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans la formation. Ok, alors passons à l'essentiel. Donc, je retire cette page. Voilà, j'ai ma plateforme NanoTrader devant moi. Je vais ouvrir un graphique. Je vais utiliser le contrat simulation que l'on voit ici. L'étude TradeGuard, étude par défaut TradeGuard. J'appuie. Voilà, qu'est-ce qui se passe? TradeGuard apparaît. Nous sommes sur du 1 minute, comme on peut le voir ici. 1 minute, sympa. Et simulation, c'est un contrat fictif qui fonctionne même le dimanche et qui affiche des bougies et qui permet de faire du travail, comme dans notre cas, de programmation. Alors, sur la gauche, vous voyez la barre de personnalisation dans laquelle on définit tous les éléments qui sont importants pour fabriquer une stratégie. Dans notre cas, on n'a pas besoin de la partie trading, donc on la minimise. Voilà. Brackets, on n'a pas besoin, on minimise. Bouton tactique, on n'a pas besoin, on minimise. Seule chose dont on aura besoin, c'est cette partie-là. Alors, on va afficher le contrôle en bas. On décoche ça. Et on va éliminer l'explication. En appuyant sur ce bouton, voilà qui est fait. Alors, la première chose à faire, c'est d'ouvrir l'éditeur de la fenêtre qui nous permet en fait d'éditer un programme. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton en haut à gauche qui permet d'ajouter un indicateur. Voilà qui est fait. Nous allons dans indicateur dans Express. Express, c'est le nom qui est donné en fait au programme, au langage de programmation. Donc, j'appuie sur le plus. Et je vais récupérer, vous voyez ici, Express. Je vais l'afficher dans le graphique principal sous forme de Sentimentor. Voilà qui est fait et je ferme. Maintenant, vous voyez sur la gauche, une catégorie nouvelle est apparue, indicateur avec Express. Je double-clique dessus, voilà qui est fait, et j'obtiens en fait une interface à travers laquelle je peux écrire des programmes. Alors c'est ce que nous allons commencer à faire. Alors, ce que nous voulions faire, c'était de montrer comment on dessine des courbes à l'intérieur d'un graphique. Alors,
Pour ce faire, je vais commencer à écrire en fait mon programme Express. Ça commence toujours par Express. Je vais donner un nom, exemple 1. Donc exemple 1, ça concerne créer des courbes. Donc le fait de taper deux slash, ça permet d'écrire des commentaires et ce n'est pas lu par le programme. Je descends avec le bouton retour et puis je vais définir en fait deux courbes qui seront deux moyennes mobiles. Donc on va apprendre à programmer deux moyennes mobiles et puis après on se focalisera sur la représentation graphique, ce que l'on peut définir comme courbe, enfin comme type de représentation. Alors la première chose, c'est de définir les variables VARS. C'est-à-dire, il y a une section ici dans laquelle on définit des variables. Les variables, il s'agit de séries. Tout ce qui est courbe, c'est toujours défini par des séries. Et on va donner un nom, Fast MA. MA en majuscule, juste pour bien, comment dirais-je, distinguer MA de Fast. Fast MA, ça veut dire la moyenne mobile rapide. Virgule, on descend. Slow MA. Point virgule. Donc à ce stade, on a défini deux séries et on va définir maintenant le paramètre qui permet qui caractérise une moyenne mobile, c'est-à-dire la période. Pour cela, il faut un type différent de variable. On appelle ça input, c'est-à-dire que ça permet de l'extérieur de définir la période de la moyenne mobile par un réglage externe, et on va donner un nom à notre premier paramètre. Alors input, il faut toujours commencer par le signe dollar, voilà, et on va appeler ça période fast MA. Voilà, alors on va mettre même un underscore, comme ça c'est un peu plus clair. On ouvre la parenthèse et on définit la valeur minimale 1, virgule la valeur maximale 200, virgule la valeur par défaut en l'occurrence 10. On ferme la parenthèse, on met une virgule, on descend et maintenant on attaque avec la période de l'autre moyenne mobile. Donc un underscore slow MA. Et puis, 1, 200, et puis là, on va donner une valeur plus grande, 30, puisque c'est la valeur de la moyenne mobile lente. Et là, on met un point-virgule, parce que on vient de définir, en fait, deux éléments dans cette catégorie de input, et ça se termine toujours par un point-virgule. On passe maintenant dans la deuxième section du programme, c'est-à-dire la section de calcul, et le bon terme à utiliser, c'est calculation. On descend et on va définir maintenant les moyennes mobiles en faisant appel à des fonctions qui sont déjà intégrées dans l'éditeur de programme. Alors la première fonction, c'est la fonction isFirstBar. Alors je vais poser une condition, je vais définir en fait notre moyenne mobile au niveau de la première barre. Alors expliquons de quoi il s'agit. If is first bar, alors vous voyez au bas de l'écran is final bar, is bar completed, is first bar, c'est ça qui nous intéresse. Insérer, ferme la parenthèse, then, donc ça c'est une condition. En réalité, ça veut dire si nous sommes à la première bougie du graphique, c'est-à-dire celle qui est à l'extrême gauche, alors nous allons lui faire construire deux courbes, deux moyennes mobiles. Après une condition, on doit toujours encadrer par begin end les expressions que l'on veut écrire. Donc on commence ici par définir la moyenne mobile, la première. Alors une moyenne mobile, on peut en fait
utiliser une fonction moving average. Vous voyez en bas, moving average, insérer. Alors, la première, il y a trois variables, comme on peut le voir en fait en dessous. Moving average, série source, série target, et puis le span, c'est-à-dire la période. Donc ici, on commence. C, c'est le prix de clôture. On pourrait taper close, mais on tape C parce que c'est plus court et que la plateforme nous permet de faire ça. Slow, MA. Donc ça c'est le résultat. On utilise la courbe des prix de clôture pour fabriquer slow M1. Virgule, on doit définir la période. Donc la période, c'est ce paramètre. CTRL C, CTRL V, fermez la parenthèse, point virgule. Et maintenant, on descend et on recommence l'opération pour Fast MA. Alors on peut faire ça de deux façons. On peut taper aussi, hein. Ou alors on peut copier. Bon, ça va tellement vite. C, virgule, Fast MA, virgule, le signe dollar, période, underscore, Fast MA, fermez la parenthèse, point virgule. Donc, cette première partie est faite. Maintenant, on va rajouter la troisième partie, c'est-à-dire la partie dans laquelle interprétation, c'est là qu'en fait on définit ce qu'on appelle la courbe de signal, qui est absolument pas le sujet du jour, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais rester focalisé sur notre objectif. Et enfin, quatrième partie, c'est la partie représentation graphique. Alors, la représentation graphique la plus simple, c'est l'utilisation de la fonction plot, P-L-O-T. On ouvre la parenthèse, slow MA, virgule, on donne une couleur, par exemple, green. Alors, les couleurs, bien sûr, il faut les exprimer en anglais. Virgule, épaisseur du trait 2, fermez la parenthèse, point virgule. Alors, à ce stade, on a en fait terminé notre programme. On peut vérifier si notre programme est bien rédigé. Donc si j'appuie sur le bouton appliquer, alors là ça c'est très important, il faut exactement suivre ma procédure. Appliquer. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que notre slow MA n'est pas défini. Effectivement, là on fait appel à slow MA, slow MA, et on s'aperçoit quoi? Que dans la série en haut, on a en fait défini slow avec un S. Donc, le programme, lui, ne comprend pas. Donc, ça, c'est une façon de vérifier si on a bien écrit les choses. Ici, en l'occurrence, j'ai fait une erreur. Donc, je fais OK, je monte, je vais là, et je détruis le S. Je recommence, appliquer, OK, pas de problème. La courbe est bien dessinée. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer sur le bouton OK. Voilà qui est fait, de manière à, ici, au niveau de la barre de personnalisation, de manière à faire afficher l'indicateur avec le nom, c'est-à-dire exemple 1. Je double-clique dessus, et maintenant, ce que je fais, c'est j'enregistre. Quand j'ai fait cette opération, je suis sûr maintenant d'avoir écrit mon programme, et que ce programme apparaît dans le répertoire. Alors je vais afficher ici le répertoire express. Donc le répertoire express se trouve en fait dans, vous voyez, librairie, document, NanoTrader. Quand on est dans NanoTrader, on a différents répertoires et un de ces répertoires c'est express. Moi, pour simplifier ma vie, je l'ai mis dans la partie gauche, dans mes favoris, de manière à y arriver directement. Et si je tape ici pour classer en fonction du temps, vous voyez que exemple 1 apparaît ici, quoi. Donc je vous remontrerai la petite manip quand on attaquera les trois autres exemples. Maintenant, je mets ça de côté. C'est très important de faire cette manip correctement, sinon vous faites du travail, après vous n'avez rien sauvegardé en réalité, et c'est une catastrophe, quoi. Alors, si je change l'épaisseur du trait, vous voyez, le trait est plus large. Si je change la couleur blue, le trait devient bleu, etc.
Je vais dessiner la deuxième courbe. Alors, je peux faire un CTRL-C, un CTRL-V et je remplace par FAST. Et je mets par exemple rouge. Voilà qui est fait. Et alors, vous voyez que on a dessiné les deux courbes essentiellement. À noter que quand vous faites light blue, on peut faire light blue, c'est-à-dire un bleu clair, mais rouge, on peut aussi faire un light red, c'est-à-dire un rouge clair. Et là, vous verrez que c'est plus un rouge. Si vous voulez vraiment du rouge, c'est plutôt ça qu'il faut utiliser. Red, c'est plutôt presque brun, quoi. Alors, maintenant, on s'intéresse en fait à des petites variations et à introduire en fait d'autres types de fonctions graphiques. Donc, la première variante, c'est de dire je ne vais pas utiliser par exemple plot, fast MA, etc. Je vais en fait, je fais un CTRL V pour coller on va dire la fonction fast. Je vais en fait remplacer blue par trois chiffres. Ces trois chiffres, je mets au début 0,0, je sais pas, 200. Ces trois chiffres, c'est la codification de la couleur dans le système RGB, Red, Green, Blue. Et si j'appuie ici sur Appliquer, vous voyez que j'ai une sorte de bleu. Si je mets un 100 devant, j'ai plutôt, oui, effectivement, encore un bleu. Et si je mets un 200 devant, j'ai une sorte de violet. Donc ça, ce sont en fait les chiffres qui correspondent. Je ne sais pas si j'ai un Excel ici sous la main. J'ai un Excel sous la main. Alors, regardez, si je vais là et je fais couleur, plus de couleurs, custom, vous voyez ces chiffres, 255, etc. Donc si je fais 200. Là, j'avais quoi? 100 et 200. J'obtiens en fait la même couleur que ma courbe. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez colorer vous-même, vous allez dans Excel ou dans Word et puis vous déterminez vous-même votre couleur. Vous dites par exemple, je sais pas, je veux ce bleu que je veux légèrement modifier. Bon, ben voilà, ça vous donne le code ici dans le système RGB, et donc vous tapez ça dedans et le tour est joué, quoi. Donc on sort d'ici. Alors, autre possibilité, c'est la possibilité de considérer ces deux courbes comme une bande. Donc je vais maintenant désactiver ce que j'ai écrit. Donc je fais OK, on voit plus de courbes. Je vais enregistrer, c'est toujours ce que je fais. Et je vais juste me retrouver un petit peu plus vers là. Voilà. Et je rouvre. Et maintenant, je vais taper plot bande. On ouvre la parenthèse. Alors, slow MA, virgule. Alors, la couleur, quand on utilise cette fonction graphique, il faut l'encadrer. Il faut utiliser les couleurs en termes littéraire, c'est-à-dire blue, light red, pas des chiffres, et il faut les encadrer en fait avec ce signe, les guillemets, ce type de guillemets en fait. Donc slow MA, virgule, ce type de guillemets, donc couleur par exemple rouge, voilà, l'épaisseur du trait par exemple 4, virgule, maintenant on attaque. Fast MA, fast MA, virgule, on ouvre les guillemets, bleu, alors on va faire un peu light blue pour montrer light blue, ferme là les guillemets, virgule, 4 aussi, on ferme, et on ferme pas encore exactement puisque maintenant on doit déterminer la valeur, la couleur, pardon, entre les moyennes mobiles. Donc ici, on ouvre de nouveau le guillemet et on met par exemple
light blue. Et maintenant, on ferme la parenthèse et on met un point virgule comme d'habitude. Appliquer. Voilà, alors vous voyez, on a notre belle courbe, les deux courbes avec la coloration au milieu. Alors, ce qui est assez sympathique aussi, c'est de dire, par exemple, de mettre l'épaisseur à 0. Voilà, dans ce cas-là, on ne voit pas les couleurs des courbes elles-mêmes, on voit juste la coloration entre les courbes. Ouais, c'est plus dépouillé. Ça peut être, c'est, je dirais, au goût de chacun. Alors, il y a une autre possibilité aussi de courbe, c'est la notion de... c'est de permettre en fait, alors laissez-moi juste vous montrer, alors dès que je fais appliquer, je fais toujours enregistrer maintenant parce que comme ça mon fichier est toujours à jour. Alors si je double clique sur les heures en bas, double clic, ça m'affiche toute la courbe. On va mettre 100, on va mettre 300, voilà. Ça nous donne des belles courbes, ouais. Très belles courbes. Mais la courbe est de même couleur, même quand il y a des changements, des croisements de moyenne mobile. Alors ça, c'est ce qu'on va changer maintenant. On ouvre, en double-cliquant, on se positionne là. Et maintenant, on va introduire une nouvelle fonction, qui est la fonction plot crossing lines. Donc plot, ça veut dire dessiner. C'est-à-dire... Plot, c'est comme un point, quoi. Donc, on met des points pour former une courbe. Crossing, c'est le croisement. Line, c'est les lignes. On ouvre la parenthèse. Et en fait, on peut reprendre ce qui est au-dessus. Comme ça, on va plus vite. On reprend ce qui est au-dessus. On le met dedans. Voilà. Mais cette fois, la différence, ça va être que il faut indiquer deux couleurs à la fin. Une couleur lorsque une des moyennes est au-dessus de l'autre, et une couleur pour lorsque la moyenne, l'une a croisé l'autre, donc, pour ainsi dire, quand il y a un petit peu un changement de phase, quoi. Alors, on va dire light red, on met une parenthèse, un point virgule, et on va désactiver la fonction précédente. Maintenant, on applique, et on fait, on enregistre, bien sûr, puis on fait OK. Alors, voilà ce que ça donne maintenant. C'est aussi très joli. C'est très joli. Je dois dire, ces fonctions sont très... Enfin, c'est court, tout ça, c'est très très joli, quoi. Alors, voilà. Alors, je dirais, la première partie de notre travail est faite. Donc, nous étions au niveau de la courbe, la construction des courbes. Nous avons accompli notre mission. Maintenant, nous passons à la notion de marqueur. Donc, je me retire de la présentation. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons garder, en fait, nous allons garder notre programmation, mais nous allons donner un nom différent au fichier. Donc, je double-clique sur le fichier. Je vais appeler ça exemple 2. Ça ne sera plus créer des courbes, mais ce sera créer des marqueurs. Alors, la première chose, c'est que on veut maintenant travailler sur exemple 2 et plus exemple 1. Or, vous voyez que le nom dans la barre de personnalisation est encore exemple 1, et le nom au niveau du répertoire, c'est encore exemple 1. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur appliquer, OK. Vous avez vu que le nom a changé ici, exemple 2. On double-clique. À ce stade, on n'a pas encore créé un exemple 2 dans notre répertoire. On a juste créé exemple 2 à l'intérieur de la nano, mais pas dans notre répertoire. Donc, ce qu'on fait, c'est maintenant qu'on a exemple 2, on le sauvegarde. On sauvegarde et voilà, exemple 2 apparaît ici à 17h40, c'est-à-dire notre heure à nous. Voilà, qui est fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on veut accomplir? Nous voulons, en fait,
colorer le fond d'écran, par exemple, au niveau d'une bougie. Alors, pour ce faire, nous sommes obligés de savoir nous repérer dans le graphique et on doit introduire ici la notion de l'indexation, si vous voulez, des bougies. Alors, comment nous allons nous y prendre? Nous allons introduire la fonction, c'est-à-dire je vais rajouter en haut dans mes séries A, B, non, A, A c'est une série. Je vais dans la partie calcul définir A comme une fonction que l'on trouve en bas qui s'appelle current bar index. Current bar index. J'insère current bar index, je ferme la parenthèse, point virgule. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attribué la valeur de l'indice de la bougie à cette série A. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner plot A en bleu, épaisseur 2. On va dessiner, en fait, ce que ça représente. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Current bar index. Donc, j'applique, je ferme, je double-clique sur les sur l'échelle de temps en bas et je vois quoi? Je vois, vous voyez, une droite, une ligne droite qui part en fait de, si je vais zoomer et bien entendu je saisis la flèche du haut, ouais, je saisis la flèche du haut, voilà, et là qu'est-ce qu'on voit? Ben on voit que les indices des bougies commencent à 0, puis vont à 1, 2, 3, etc. Donc, cette information, elle est donnée par la nano à travers la fonction current bar index. Donc, si on veut dire, par exemple, je veux colorer le fond d'écran à la bougie numéro 3, et bien dans ce cas-là, je rouvre mon script. On peut appeler ça un script. Et puis je vais dire, je me mets après la construction en fait des moyennes mobiles, et puis je vais dire if, j'ouvre la parenthèse, alors soit j'utilise current bar index, soit j'utilise A. Alors, je vais quand même mettre current bar index, current bar index, entre parenthèses, égale 3, ferme la parenthèse, zen, et là j'ai introduit la fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction highlight. Alors la fonction highlight, je peux la taper ou je peux aussi la chercher dans ma liste de fonctions ici en tapant high. Alors je vais là, je descends highlight, voilà, highlight, j'insère. Alors highlight, il y a deux données. Il y a premièrement guillemets slot et je ferme le guillemet. Ça définit en fait ce que je veux, le fond d'écran. On appelle ça en anglais slot. Une virgule. Et maintenant, on va définir la couleur. Et pour ça, je dois aussi utiliser les guillemets. Donc, guillemets. Magenta. Magenta, c'est une couleur assez vivante. Je ferme la parenthèse. Et puis, je mets un point virgule. Maintenant, quand j'appuie sur appliquer, si j'ai bien fait mon travail, je devrais avoir une bande colorée. Voilà qui est fait. Ouais. Alors, si je dis current bar index inférieur ou égal, par exemple, à 3, dans ce cas, ça veut dire que la première bougie qui correspond en fait à 0, la deuxième qui correspond à 1, la troisième qui correspond à 2 et la quatrième qui correspond à 3 doivent vérifier la coloration d'écran. J'applique. Voilà, tel est le cas, quoi. Donc, si je ferme, tour enregistré bien sûr, voilà qui est fait. Si maintenant je double clique sur l'échelle verticale ici de prix, ce qui va se passer c'est que je vais afficher tout ce qui est dans l'écran, notamment notre graphique en haut, et maintenant on n'a plus besoin de notre courbe A, enfin qui nous montre l'indexation, mais juste avant, alors je vais double-cliquer sur l'échelle du bas, voilà qui est fait.
Comme ça nous montre toutes les données qui sont chargées. On voit en très mince la couleur magenta. Et nous, ce qui peut être intéressant, c'est de dire quelle est la valeur de la bougie à l'heure actuelle, quoi, au niveau de l'indexation. Donc, on double-clique, et bien cette valeur, en fait, c'est, on appelle cette valeur final bar index. Donc, on va écrire notre condition maintenant de façon différente. Ici, je vais désactiver cette condition. Et ici, je vais dire si current bar index est égal à final bar index. Alors, final bar index, on le trouve aussi. Vous voyez ici, final bar index. C'est là aussi, c'est dans la liste en fait. Donc, si current bar index égale final bar index, c'est-à-dire si notre bougie est à la dernière bougie, alors la coloration sera, alors peut-être pas magenta, on va prendre une autre couleur, par exemple light blue. Voilà, c'est fait. J'applique. Qu'est-ce que je vois? Je vois que maintenant, le fond d'écran est maintenant au niveau de la dernière bougie. Cette bougie, elle a comme indice final bar index. Bien sûr, ce final bar index n'arrête pas de changer puisqu'il y a constamment des bougies supplémentaires qui se rajoutent et donc c'est une valeur qui change. Mais elle, ça permet, current bar index, final bar index, ça nous permet de nous positionner sur, sur le graphique. Alors on peut aussi dire, par exemple, qu'on veut que si le current bar index est, par exemple, est supérieur ou égal à, ouvrez la parenthèse, final bar index moins 100. Donc ça veut dire, pour les 100 dernières barres ou bougies, hein, pour les 100 dernières bougies, je veux que le fond d'écran soit bleu, clair. J'applique, oui, c'est ce qui se passe. Pour les 1000 dernières bougies, 1000 dernières bougies. Ouais. Donc, tout ça, ça permet de vraiment de repérer des situations, des choses comme ça. Alors, maintenant, il y a quelques petites variations autour de cette fonction. Donc, je vais reprendre peut-être je vais reprendre ma première condition. Je vais désactiver la deuxième. Et je vais maintenant utiliser, par exemple, pas slot, mais up triangle. Et je vais pas dire magenta, je vais dire light green. Donc, et ce que je vais faire, c'est je vais aussi désactiver la ligne oblique qui représente l'indexation pour que ça nous écrase pas notre graphique. Voilà qui est fait. J'applique. J'enregistre, toujours enregistré, ok. Et maintenant, je vais retourner vers la troisième bougie, ou la quatrième bougie, et qu'est-ce que je vois? Je vois des triangles. Donc, vous voyez, on a la possibilité de dessiner des triangles. Up triangle, qu'est-ce qu'il y a comme autre chose? Up triangle, ellipse. Alors, faut le voir un petit peu comme ça. Voilà, ça ce sont des ellipses. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a aussi la possibilité de dessiner en fait une ligne sur le bas de l'écran. Alors, ça s'appelle bottom line. Alors, je vais désactiver cette condition et maintenant je vais garder la même définition, si ce n'est que je vais changer ici au niveau de ellipse, et je vais appeler ça bottom line. Et je vais appeler ça, je vais le mettre en green. Donc, regardez ce qui se passe au niveau du bas de l'écran. Appliquer, voilà, on a une ligne. Alors, cette ligne, on ne peut pas changer son épaisseur, mais ça nous permet d'avoir une sorte de repère visuel. J'enregistre, ok, fait, je ferme. Je double-clique en bas
Donc, cette ligne, c'est un marqueur qui peut être intéressant si on essaie de s'intéresser à des tendances, des choses comme ça. On peut mettre le trait en bas, mais aussi en haut. Alors, voyons en haut comment ça se passe. En haut, on appelle ça top line. Donc, si current bar index est, par exemple, strictement supérieur à 3, on veut que top line. On veut que la top line soit par exemple en rouge. Voilà. Regardez vers le haut ce qui se passe. Voilà. Ouais, vous avez vu, ce trait maintenant est apparu. Donc, ça c'est un autre marqueur. Et qu'est-ce qui peut être encore intéressant? Alors, il y a quelques petites variations aussi au niveau de la fonction highlight. Puisque lorsque nous allons par exemple dans ce petit moteur de recherche et je tape highlight et j'ouvre, je m'aperçois que j'ai en fait, vous voyez, highlight AT, highlight RGB, highlight RGB AT. Alors, je vais prendre AT pour commencer. Donc, je vais remplacer en fait. Je vais copier l'une de ces conditions, CTRL C, je descends, CTRL V, je vais désactiver ces deux conditions. Voilà qui est fait. Et je vais maintenant utiliser Highlight AT. Je mets AT en majuscule, comme ça on remarque ça correctement. Et quelle va être la différence? La différence va être que on va se mettre en fait au niveau de la bougie. 10 et là on va dire que on veut afficher une ellipse ou un fond d'écran de couleur rouge et ça au niveau de la bougie qui est à deux bougies de la bougie qui a pour indice 10 donc je mets 2 une virgule. Donc, dans la définition en fait de la fonction, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute en fait un paramètre, qui est le paramètre 2, qui est en fait la position relative à notre position actuelle. On va tout comprendre tout de suite. Je vais faire appliquer. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est je vais mettre une couleur différente, light. Red, en fait, à la valeur qui correspond à la barre numéro 10. Alors, on peut faire soit highlight AT 0, voilà, ou alors on peut faire pas AT, pas 0, juste comme ça, c'est la même chose. Donc, je garde ça comme ça. Ici, j'ai bien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, la bougie 10. Et puis, quand je suis à ce niveau, grâce à Highlight AT, je me mets 2 en retrait, donc c'est-à-dire 0, 1, 2, et là, je le fais en rouge foncé. OK, donc ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est le concept de rajouter RGB. Donc, vous comprenez tout de suite de quoi il s'agit. On va se mettre sur on va dire la deuxième, la quatrième. Highlight, alors l'écriture c'est RGB AT. Je mets en majuscule, c'est pas important. Ah, RGB AT. Je vais mettre AT en petit pour que ça soit un peu plus, qu'on voit un petit peu la différence. Et là, qu'est-ce que je dis? Et bien là, il faut que je définisse en fait la couleur avec des chiffres. Donc, je vais mettre, je sais pas, je mets 150, 150, 0, je sais pas ce que c'est. Hop, ça nous donne un jaune fade, un jaune vert, etc. quoi. Donc, ici, à ce stade, j'ai montré un petit peu tout ce qui était possible
tout ce qui était possible. Alors peut-être slot, on veut lui montrer up triangle appliqué, voilà, un up triangle. Donc vous voyez, toutes ces petites choses, c'est très très intéressant quand on fait de la un petit peu d'analyse et qu'on a envie de repérer des situations, etc. Et on voit qu'on a quand même beaucoup de possibilités. Alors, j'applique, j'enregistre, voilà qui est fait, je ferme. Et maintenant, on va passer à la partie numéro 3, c'est-à-dire les étiquettes. Alors les étiquettes, ça ira même un peu plus vite. Et on utilise ici toujours la fonction highlight pour les étiquettes. Alors, je me retire d'ici. Je vais réécrire ou re-sauvegarder mon indicateur en lui donnant la valeur 3. Exemple 3, créer des étiquettes. Les étiquettes. Et ça, c'est comme la partie 1. Après, on fera les étiquettes d'un type différent. Donc, qu'est-ce que l'on fait ici? Les étiquettes. Alors, l'exemple que je veux vous montrer, en fait, est différent de ce que j'ai ici. Donc, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Je ne vais pas sauvegarder. Je vais retirer ça. Je vais recréer de toute pièce un indicateur. Donc je vais dans indicateur dans Express, Express. Je le mets dans le graphique principal comme Sentimentor. Je ferme. Je double-clique et je tape Express. Exemple 3. De barre créer des étiquettes, on descend variable. Alors ici ce qu'on va faire, c'est on va montrer un petit peu la valeur de l'ATR. Donc on a besoin en fait d'un input, on descend le signe dollar période. Période, voilà. On ouvre la parenthèse, 1 pour le minimum, 200 pour le maximum, virgule, 14 et un point virgule. Donc ici on a défini en fait input la période et ce qu'on va faire string. Alors on va définir maintenant un string, c'est-à-dire une variable de texte. On va l'appeler contrat. Point virgule, c'est-à-dire qu'on va récupérer le nom du contrat et on va l'afficher dans une étiquette. Et de la même manière, on affichera l'ATR. On passe dans la partie calculation. Voilà. Et maintenant, on utilise notre fonction highlight. Alors, peut-être juste avant, interprétation begin. Ça doit toujours figurer. On ne va pas montrer de courbe, donc on ne met pas de plot. À ce stade, on peut déjà sauvegarder, même s'il n'y a rien dans la partie calcul. Appliquer, OK. Exemple numéro 3, on double-clique, enregistrer. Maintenant, on a notre exemple numéro 3 qui est affiché dans notre répertoire Express. Donc, il peut arriver quoi que ce soit, on a notre texte qui est là. Alors, calcul. Alors, on va se positionner à 150 bougies par rapport à la droite du graphique. Et pour ce faire, on utilise la fonction current bar index. Hein, current bar index. Voilà. Ferme la parenthèse. Si ça c'est égal en fait à ouvrir la parenthèse final bar index. Donc, final bar index, c'est là. Voilà, on ferme la parenthèse. Moins 150. On ferme la parenthèse et on referme la parenthèse pour que tout l'ensemble soit entre parenthèses. Then, on descend begin end. Donc à ce stade, on s'est positionné et on n'a encore rien fait. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est
nous allons récupérer la valeur du contrat. Alors, on tape contrat. Et lui, c'est une variable de texte. Donc, lui, il s'attend à recevoir un texte. Ce texte, c'est symbole. Symbol name. Vous voyez, symbole name. On insère ça. On ferme la parenthèse, point virgule. Donc maintenant, dans contrat, on a en fait un texte, un morceau de texte. La deuxième chose que l'on veut faire maintenant, c'est on utilise la fonction highlight pour fabriquer l'étiquette. Alors, highlight, on la connaît comme entre parenthèses slot, etc. On referme le guillemet et puis on met généralement la couleur. Alors ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va mettre text above, c'est-à-dire le texte est au-dessus, en l'occurrence, de la bougie sur laquelle on va se positionner. Et ce qu'on va faire, c'est on met deux points, ferme avec le guillemet, et puis une virgule. Et par exemple entre guillemets blue pour la couleur en fait du texte, on ferme la parenthèse, un point virgule, et en fait ce qu'on a fait c'est on n'a pas fait en fait grand chose. Voyons ce qu'on a fait. Appliquer, enregistrer, puis on fait OK et on double-clique sur la bande, sur les heures, je double-clique. Donc 150, on voit que ici à 150, il y a quelque chose. En fait, il y a une sorte de petite étiquette qui est vide. Alors cette étiquette, comment dire, on va la remplir. Double-clic, on va la remplir. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est après ce texte above et puis fermer les guillemets, ce que nous allons faire, c'est on va descendre. Voilà. Et on va mettre un plus et on va mettre la partie avec la couleur en bas. Voilà, on l'aligne là. Et maintenant, nous, regardez ce qu'on fait. Plus, on ouvre les quotations et on va mettre des tirets. Ta, 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 ta. On ferme et grosso modo, on ne fait que ça. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On a mis, vous voyez, on a mis ce trait. Alors maintenant, ce que l'on veut faire, en fait, c'est on veut descendre. Alors on met plus, un espace, et en fait, on veut mettre un espace vide pour pouvoir écrire du texte. Alors, on ouvre le guillemet, on met un contre slash, comme ça, dans ce sens-là, voilà. Un N, une cotation, enfin une. Pas une cotation, un guillemet, et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Appliquer, rien du tout. OK. Alors, on va rajouter maintenant un peu de texte, plus un espace, on ouvre les guillemets, et puis on va, alors notre fameux contrat, on va l'écrire là, mais on va appeler ça instrument. Instrument, deux points. On laisse un espace pour pas que le nom soit collé. On met une quotation, enfin une quotation, un guillemet s'il vous plaît. Et puis, on va rajouter sur cette même ligne plus contrat. Alors contrat, on n'a pas besoin de mettre de guillemets parce que contrat, c'est en fait du texte. Donc, contrat. Voilà. Et c'est tout. Voyons ce qui se passe maintenant. Ah! Super! Instrument, simulation. Ouais. Nom de l'instrument, par exemple, si on veut un peu rendre le texte un peu plus grand, appliquer. Ah, mais dans ce cas, vous voyez, nom de l'instrument. Mais dans ce cas, il faut rajouter un peu plus on va dire de tirer en haut. Voilà qui est fait, voilà, maintenant c'est pas mal. On descend.
On va rajouter maintenant un espace, donc plus, on ouvre les guillemets, le contre slash, n, on ouvre les guillemets, enfin on ferme les guillemets, on descend, on fait un plus, et maintenant ce qu'on va mettre c'est l'ATR. Alors l'ATR, on ouvre les guillemets, ATR, donc ça c'est le texte maintenant, ferme les guillemets, et on va rajouter, on va ouvrir les parenthèses, on va faire deux choses. On va mettre en fait la période et puis on va mettre la valeur de l'ATR. Regardez comment on fait. On rajoute un plus parce qu'on est sur la même ligne, comme ça nous permet un peu de mieux comprendre ce qu'on fait. Et on fait du dessin maintenant. On ouvre les guillemets, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc maintenant, quand je fais ça, appliquer, j'ai dessiné ATR. Maintenant, je vais rajouter en fait la valeur. Alors, pour rajouter la valeur, il faut en fait une fonction qui nous permet de prendre un chiffre et de transformer en texte. On appelle ça numérique. Numérique, alors pas to date, mais to string. Voilà. Alors, vous voyez, des chiffres, on peut les convertir en date, on peut les convertir en texte, on peut les convertir en heure. Ici, c'est en texte. Donc, j'utilise ça. J'insère ça. Et maintenant, qu'est-ce que je veux mettre là-dedans? Je veux mettre mon chiffre qui est en fait période. Donc, je tape mon signe dollar, période, une virgule, et normalement, il y a une mesure de nombre de décimales, etc. Moi, je vais juste mettre, je vais mettre guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse. Et à ce stade, je devrais avoir la valeur à l'intérieur et je ne devrais pas encore avoir fermé la parenthèse dans ma représentation. Voilà, 14. Donc, la période est 14. Alors, plus, on va fermer les guillemets. Donc, ça, c'est le côté figuratif. On ferme la parenthèse, on met un espace, on n'a qu'à mettre en pourcent, deux points. Et maintenant, on imagine ce qui vient après. On laisse un espace. Ce qui vient après, c'est en fait, je ferme les guillemets. Regardons où est-ce qu'on est arrivé. Voilà. Et maintenant, on doit encore rajouter maintenant la fameuse valeur. Donc, on ouvre les guillemets. Oh, pardon, on a fermé les guillemets. Maintenant, on va rajouter plus. On refait un numérique to string, voilà qui est fait. Et là, on appelle la fonction ATR. ATR. On ouvre la parenthèse. Dollar. Période. Fermez la parenthèse. Et une virgule. Et maintenant, en fait, on doit taper le format. Alors, nous, on est sur des petites bougies d'une minute, donc on sera peut-être à une échelle de 0,05%. Donc, il nous faut 0,05. Allez, il nous faut au moins trois chiffres après la virgule. On va mettre, ouvrez les guillemets, le signe du pourcentage, deux, ça veut dire deux chiffres à gauche de la virgule, point, et mettons quatre chiffres. Mettons quatre chiffres après la virgule, 4. Un F, on ferme les guillemets. Donc ça, c'est un code qui représente en fait le comment dirais-je, le format du chiffre. On ferme la parenthèse et on regarde qu'est-ce qui se passe. Tac, on a la valeur. Cool, on a la valeur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va terminer en mettant en fait en descendant. Pour descendre, il faut faire un plus, ouvrir les guillemets, contre slash n, fermer les guillemets, et on descend, hop, plus, et maintenant on va mettre en fait nos tirés là. Hop, on fait un contrôle C, on arrive là, voilà qui est fait, appliquer, voilà, le tour est joué, donc on va.
Excusez-moi, on va enregistrer notre travail, voilà qui est fait. On ferme. On ferme, on ferme, on ferme. Et où est passée notre bougie? Parce qu'entre-temps, il y a eu plein de bougies qui se sont créées, donc en fait, on a été décalé. Alors, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est on peut se rapprocher, double clic. On va pas se mettre à 150, on va se mettre juste à combien? À 15, peut-être? 15. Alors, je double-clique sur l'échelle verticale pour que tout apparaisse dans l'écran. Voilà qui est fait. Donc voilà, grosso modo, on a une. Alors bon, bien sûr, cette étiquette, on ne peut pas vraiment la déplacer nous-mêmes comme on veut. Mais vous voyez que la valeur change. Et si je change la valeur, par exemple, de la période, vous voyez, la valeur change. Et si je prends par exemple, non pas une minute, mais 10 minutes, voilà qui est fait. Je double-clique ici, je retourne là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a en fait ATR de 22 égale 0,08%, enfin 0,0842%, etc. Donc c'est vraiment bien quand vous travaillez avec des études, vous ne voulez pas afficher des graphiques, mais vous voulez le résultat, une mesure de volatilité, quelque chose d'instantané, utilisez une étiquette comme ça. Voilà, alors donc ça c'est fait. Donc, dans notre progression, on est sur le bon chemin. On vient de faire ça. Maintenant, on va montrer ce qui est en dessous, c'est-à-dire étiquette show type. Alors, hop, on retire ça. Et on va littéralement reprendre une partie de notre de l'exemple numéro 1. Donc, je retire l'exemple numéro 3, hein, qui est fait. Et je vais chercher l'exemple numéro 1. Voilà qui est fait. Affiché dans le graphique principal, Sentimentor. Je ferme. Double-clic. Et là, on veut faire créer des étiquettes. Étiquette et étiquette. Et ce que je vais faire ici, c'est. Je veux me positionner après et je veux dessiner une sorte d'étiquette mais qui n'apparaît que quand on passe sa souris dessus. Alors la première chose que je vais faire, c'est je vais récupérer en fait une condition que je prends à côté là. Voilà. Si current bar index est supérieur ou égal à final bar index moins 10 bars, donc quelles que soient les barres, les 10 dernières barres, les 10 dernières bougies, je vais en fait afficher une étiquette quand je passe la souris dessus. Cette fonction s'appelle showType. ShowType. Et il faut ouvrir une parenthèse. Et ça va être un petit peu comme l'exercice précédent. J'ouvre une parenthèse et au bout du compte, on va mettre des choses dedans, fermer la parenthèse, mettre un point-virgule, et maintenant la question c'est justement de remplir ce show type. Donc si je fais juste ça, alors il faut que je change aussi bien sûr le nom, je vais mettre 4, donc je fais appliquer, alors bien sûr ça marche pas parce qu'on n'a pas, on 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 n'a pas mis de choses à l'intérieur, donc je vais ramener ça là, je vais mettre 2 slash, appliquer, OK, le nom change, double-clic, enregistrer. Maintenant c'est bien, je fais ça, et maintenant je vais en fait remplir ce qui est à l'intérieur. Alors, je l'ai mis là parce que ça permet d'avoir d'être un petit peu proche du côté, voilà. Donc maintenant on va mettre des choses à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? La première chose, on va mettre de nouveau notre ligne, donc si vous savez déjà attaquer, voilà, guillemets, on met tout plein de tirets, voilà qui est fait. On descend, et maintenant on commence à rajouter des choses. Donc la première chose, c'est, on veut, pour descendre, il faut en fait utiliser le guillemet, le contre-slash, n guillemets, puis on rajoute maintenant, alors qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute le symbole. Donc on se décale, on ouvre les guillemets, on tape du texte,
symbole, deux points, un espace pour pas coller le nom directement sur symbole. On ferme les guillemets. Donc lui va nous dessiner. Alors, oui, là maintenant il a accepté ce qu'on fait. Il a accepté, on enregistre, on va juste voir le début. Donc on est dans les 10 dernières bougies. Donc si je vais là, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille en haut par là. Et là, vous voyez, il y a un petit bouton montrer infographique. Bon, montrer des étiquettes par exemple. Voilà. Maintenant je vais là. Et je vois symbole. Donc on a commencé à créer une étiquette. Alors maintenant, on va un petit peu foncer pour la terminer. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient après symbole? On rajoute en fait le nom. Le nom, cette fois, on ne l'a pas attribué à une, comme avant, à contrat. On va directement chercher symbole. Symbol name. Voilà, qui est là. On insère ça. On ferme. Voilà qui est fait. On a récupéré déjà symbole. On descend. Plus. On ouvre les guillemets. Un contre slash n. On ferme les guillemets. Ça nous permet de décaler à la ligne suivante. Et maintenant, on va taper plus. Ouvrez les guillemets. Cours ou prix. Pardon. Cours. Donc, ou prix. Prix de clôture. Prix de clôture, par exemple. Prix de clôture. Prix de clôture. Dernier cours. Dernier cours, plutôt. Dernier cours. Donc, dernier cours. Deux points. Un espace. On ferme. Et maintenant, on va rajouter, en utilisant la fonction numérique to string. Numérique to string. Qui est là. On insère, et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer la fonction. En l'occurrence, le prix de clôture, c'est C. Voilà, C. Virgule. On doit définir maintenant les décimales. Donc, qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Le prix de clôture, ça s'exprime en... On a un chiffre qui ressemble un petit peu à un DAX. 10 000 et quelques, 11 000 et quelques. Donc, ce qu'on va faire, c'est on ouvre les guillemets. On met le signe pourcentage. On veut au moins 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va mettre 6 chiffres. Comme ça, on est confortable. Un point. Et deux après la virgule. Parce que ça cote tous les demi-points. C'est-à-dire tous les 50,05. Et on met le signe F. La lettre F. On ferme. On ferme. La parenthèse. Et j'applique, j'enregistre, qui est fait, OK. Et maintenant je me balade ici. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le chiffre du dernier cours. Le dernier cours, en fait, de cette bougie. Donc ce n'est pas en fait le dernier cours, c'est vraiment le prix de clôture. Le prix de clôture de la bougie. Donc, prix de clôture. Alors maintenant... On va faire la même chose. On va faire la même chose, mais je vais le copier directement de mon petit calepin à côté. Voilà qui est fait. Et là, qu'est-ce que l'on fait en fait? Bon, déjà, on va faire que la ligne du haut, la ligne du bas soit la même. On va suivre la règle que nous nous étions imposée. Comme ça, on commence par des plus partout. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté fast MA, slow MA, avec la valeur de fast MA, la valeur de slow MA. Et on a rajouté cette partie-là. Et là, on va juste coller pour que ça soit de la même longueur. Et donc, voilà, on a réalisé une étiquette un petit peu différente de ce que je vous ai montré dans la présentation. Mais, alors, bien sûr, ce petit morceau qu'on a copié n'est pas valable. Voilà qui est bon. Voilà qui est bien. Et maintenant, hop, c'est fait. On regarde. Symbole, simulation, prix de clôture, le prix, etc. quoi. Donc, je refais. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Si je dépasse maintenant 10,
Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, je le vois encore, mais là, je ne devrais plus le voir. Et je ne le vois plus. Vous voyez? Tout marche comme sur des roulettes ici. Donc nous sommes arrivés en fait au bout de notre exercice. Il y a une chose que je voulais vous montrer. Dans Aide, vous avez en fait des manuels. Je vais ouvrir Fonction en Express. Fonction en Express, c'est ouvert sur le côté. Je le pose sur notre écran et je vais faire une recherche. Contrôle F. Highlight. Highlight. Donc là, on a highlight. On descend. Et highlight. Voilà. Donc dans ce manuel, en fait, vous avez exactement un peu plus de détails en français sur ces fonctions que nous venons d'étudier, avec la liste des couleurs, toutes ces couleurs-là, tac, 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 etc. Et vous avez un petit exercice, donc vous pouvez directement copier ce petit exercice, ou alors le morceau un peu plus difficile, celui que nous avons fait en direct, qui est celui-là. Donc, dans manuel de fonction, vous avez en fait l'explication de toutes les fonctions numériques, tout string, tout ce genre de choses. Et je vous conseille, si vous vous intéressez un petit peu plus à la programmation, de jeter un coup d'œil là-dessus. C'est bourré de petits exercices, hein, avec un peu de ouais, time to string. On ne doit pas être loin de time to price to string, time to string. Enfin, time to string. Vous voyez un petit peu le concept, quoi. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Je veux quand même vous montrer une dernière chose. C'est en fait, voilà, je veux vous montrer les ressources qui existent pour vous permettre d'apprendre à programmer. 42 films en français, moitié cours, moitié exercice. Ça, c'est sur notre site web, dans la page client, accessible à tout le monde. Manuel des fonctions, je viens de montrer. Ok, Manuel Express, je n'insiste pas. Bon, ça, c'est écrit par le développeur, c'est un peu plus. Vous pouvez jeter un coup d'œil dessus, mais disons que je vous recommande par contre séminaire de programmation sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, par exemple, cette année, ça c'est le sixième ou le septième. On a les questions-réponses entre notre support et tous les gens qui font de la programmation qui sont clients chez nous. Pour ça, il faut s'inscrire sur le forum, demander un identifiant, etc. Et puis, vous avez les codes ouverts pour sans indicateur, donc on peut voir ça. Tant qu'on a la plateforme ouverte, je vais là par exemple et j'affiche par exemple, je sais pas moi, ce Aaron oscillateur divergence. Voilà, je ferme, je vais double-cliquer là et je vois tout le code du programme. Ouais. Donc tout ça c'est disponible, c'est comme une sorte de base de données de ressources et ça vous permet d'apprendre la programmation. Donc j'espère que vous avez trouvé cette formation utile. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie pour votre attention.